À cette date aujourd'hui, de ce mardi 26 avril 2022, voilà, nous avons parcouru pratiquement 2 heures du temps sur la lagune pour atteindre le village de Dilapao. C'est Dilapao, hein? Oui, Dilapao. Dilapao. Voilà, un village à 2 heures de Ziguinchor. Voilà, je suis en mission. Olo! Olo! Voilà, nous y venons aller. Il dit quoi? Attention, hein! Qui a fait ça? Ici, on tombe le regard. On va te mettre un regard. C'est un poil, c'est ça. Il s'est tenu bien. C'est un poil, c'est un poil. Nous y venons aller, mon mort. Voilà. Mais ça, il est très mystique. Annoncer l'évangile est une nécessité, va être imposé. Très important. Prêcher Jésus dans les nations. En toute occasion favorable ou pas, dit l'apôtre Paul, il faut prêcher l'évangile. Il faut aller même dans les coins les plus reculés. Les plus reculés. Pour annoncer aux nations que Jésus-Christ est bel et bien ressuscité et capable de nous délivrer du pouvoir de la sorcellerie et du pouvoir des ténèbres. Voilà, le village de Dilapao. Et ça, c'est le baobab, hein. Allez, viens mon conseil, hein. Que vous partez de Dilapao. Voilà, un village, on a fait pratiquement 2 heures de, c'est vraiment 2 heures de route, hein, deux heures de mer. Sur la mer, sur la lagune, ouais. 2 heures de route et finalement nous sommes dans ce village. Et nous allons, voilà, acquérir beaucoup d'informations, chercher à discuter avec eux de beaucoup de choses, parce qu'on a besoin d'apporter une assistance à ce village. Le village aussi a besoin d'assistance. On est ensemble. Les autres sont à Dakar. Donc les enfants font comment pour aller à l'école ici? Ils vont rester là-bas. Ah, donc les enfants ils restent à Ziguinchor? Oui, hein? La famille. Oui. Non, des fois les week-ends ils ne viennent pas. Les fêtes. Oui, pendant les périodes de vacances. Oui, les vacances. Venez, on s'assoit un peu après. Noël aussi. Bien. Oui, donc ici il y a combien d'habitants, c'est-tu, vous avez dit? 350. 350.
estimé ça combien, les enfants? On n'a aucune idée. Aucune idée. Bon, comme ils ne sont pas sur place, c'est un peu difficile. Dans pas difficile. Oui, parce qu'il y a d'autres qui sont à Ziyecho, il y a d'autres qui sont à Dakar. D'accord. Bon, on a des parents là-bas, ils travaillent là-bas, ils restent là-bas. Ils ont leur famille là-bas. Voilà, donc nous sommes en plein cœur du village de... Dilapao. Il y a deux quartiers. Ouais, ça, c'est le premier quartier. Ouais, le premier quartier. Voilà. Il y a Elora et Tama. Ouais, ouais. Le quartier, comment on appelle ça ici? Ici, c'est Elora. Elora. Ouais. Et là-bas? Etama. Etama. Ouais. Ah, c'est là qu'il y a Elora. Oui. Ouais. C'est ici qu'il y a Elora. Ouais. Là-bas, c'est Etama. Etama. Elora ici. Est à Malab. Ce table est très mystique. Il a des vertus. Il est... Avance un peu, je crois. Je vais prier. Je prie pour tout pouvoir mystique, tout esprit infernal. Vous envoie maintenant chasser les esprits. Chasser les esprits. Vous commandez de chasse de cet endroit par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la puissante nom de Elohim se manifeste. Je vous détrône, je vous chasse de cet endroit. Je vous commande par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Toute base mystique de la sorcellerie implantée dans l'art, par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, je vous commande et je vous chasse de cet endroit. Je proclame le règne de Dieu dans ce village. Notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ est le maître de toutes choses. Il a dit, allez et faites des nations des disciples. Il a dit, je vous donne le pouvoir à mon nom de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et sur cela, il vous chasse de cet endroit. Je proclame la puissance et la seigneurie de Jésus. Seigneur, merci. Parce qu'à cette instantanée, le pouvoir de la sorcellerie est chassé. Je proclame ta seigneurie. Merci pour ta grâce. Merci pour la grâce de ton esprit. Merci. 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 Empêcher l'État de venir. Quand vous quittez comme ça, ils ont fermé, ils ont les frontières. Il ne revient plus. Ils m'ont dit, au revoir, c'est vrai, tu es venu parler, mais tu n'es plus école ici. C'est comme ça les sorciers travaillent. Or, quand Dieu, on met Dieu au devant, quand on a des projets, quand on dit à Dieu d'agir, Dieu se manifeste. Thank you.
aller voir le gouverneur qui porte le chapeau. Qui ne porte pas les chapeaux? Comment t'appelles? La main. Seigneur, merci, je te prie. Que ta main soit sur la vie et que ta gloire éclate dans sa vie. Et que tu permets à la vie d'expérimenter ta bonté. Tu permets à la vie de te connaître véritablement et d'agir, de te suivre. C'est toi qui convainc du péché, de jugement et de justice et intervient pleinement dans sa vie. Je compte sur ta miséricorde. Merci. Je vais prier pour vous tous. Vous allez faire des suites. Seigneur, je te prie pour ce bien-aimé et je prie que la gloire de ton esprit se manifeste. Merci. Je te prie que ton salut pénètre leur cœur. Et que dans ce village, ils aient une école, ils aient un hôpital, toutes les infrastructures, Seigneur. Parce que c'est toi qui bénis ce village. Sur tout le pouvoir mystique qui empêchait le développement qui est rentré dans ce village, soit chassé à jamais. Je prie que l'école soit installée dans ce village. Je prie, n'est-ce pas, que l'hôpital soit installé. Je prie que ce village devienne modèle. Il n'y a que toi seul. À partir d'aujourd'hui, je proclame et ta seigneurie sur ce village. Merci d'intervenir. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Voilà. Très bien. On va prendre une photo dans son tout toujours au parvis de Dieu. Seigneur, merci. Nous voulons te bénir pour cette rencontre. Merci de ta grâce et de la manifestation de ton pouvoir et de ton règne. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, on ne peut pas vivre sur cette terre sans savoir qui a créé cette terre. D'autres disent que Dieu n'existe pas. C'est eux qui voient. Ils sont dans un grand mensonge. Le plus gros mensonge, c'est d'ignorer son créateur. De savoir qu'on vit sur cette terre. Et qu'on ne sait même pas qui nous a créés. C'est le plus gros mensonge. Alors, ce monde dans lequel nous vivons, n'est pas plus fort que Dieu. Moi, dans ma famille, il y a eu la sorcellerie. Et ça, je vous informe que mon père est mort, l'ont tué mystiquement. Moi, j'étais pratiquement le seul. C'est ça qui m'a amené à accepter Dieu. Sinon, au départ, je ne croyais pas à ça. Bref, nous, croyons chez nous, encore une fois, surtout sur les pays bêtés, il y a la sorcellerie. C'est Dieu qui m'a protégé. Activité, c'est Dieu qui bénit. Si tu veux entreprendre quelque chose, c'est Dieu. Les musulmans disent Allah. Mais eux-mêmes disent encore Inch'Allah. Ça veut dire si prête à Dieu. Ça, c'est très important. Si prête à Dieu. Ça vous dit que c'est Dieu qui valide. S'il n'a pas validé, rien ne peut s'accomplir.
On dit, avant que Dieu ne valide, il faut que toi-même, qui est dans toi-même qui fait la chose, il faut que tu acceptes que Dieu règne sur ta vie. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent. Ils ne croient pas que Dieu soit le maître de votre vie. Alors moi, ce que je peux vous dire cet après-midi, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Il n'y a pas une école de connaissance, mais hasard n'existe pas. Je suis ici. On dit Dieu protège nous. Un sorcier qui s'amuse, Dieu le frappe, il nous protège. Parce que l'ange de Dieu protège ce qui est en lui. Pourtant, tu crois en fétiche. Fétiche là, il y a plus fort que lui. C'est un sorcier. Attends. Depuis quand fétiche moyen sorcier? Sorcier lui, il est fort. Lui vient la nuit. Pendant que tu dors, lui maîtrise ton fétiche. Maintenant, s'il veut témoigner, témoigne. Avec Jack. Un sorcier s'amuse pas, hein? Il va témoigner, tiens. Quand tu te lèves, tu vas sur le bateau, boum, t'es mort. Oh, sorcier, t'as mangé la nuit. On dit non, il a fait crise cardiaque, c'est sorcier. Oui, c'est sorcier. Souvent, il y a des maladies, ça te prend, c'est même pas quelle maladie. Sorcier, t'as bien mangé. Pour ça qu'il faut accepter Dieu. Moi, j'aime bien les gens qui croient en Dieu. Quand quelqu'un pour la bande, il me fait peur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas. Avec tout ce que tu as comme connaissance et tout ça, mais il faut que tu aies Dieu dans ta vie.